Bonjour les amis, c'est l'OSH, bienvenue sur l'OSH Retro Gaming, votre rendez-vous rétro quotidien, diffuseur de nostalgie positive, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est réellement un bonheur de vous retrouver, c'est vrai que je vous fais un peu la même intro à chaque fois, mais c'est sincère, c'est un immense bonheur, surtout de rejouer à ce jeu. Aujourd'hui, je vais prendre plaisir à aller affronter Koga. Voilà, on va continuer l'arène. Est-ce que j'ai soigné mes Pokémon? Je regarde. Je crois que je les ai soignés. Voilà, c'était surtout pour voir les séismes. Voilà, j'ai à nouveau 10 séismes, c'est bon. Donc, on va continuer l'arène, on ne l'a pas terminé. Est-ce que j'ai été te faire, toi? Oui, je t'ai fait. D'accord, alors à mon avis, je crois qu'il me restait un dresseur et Koga. Donc, c'est parti. Lui, à l'intérieur, je l'ai fait, c'est sûr. Voilà, il me reste deux dresseurs, peut-être. Pas bouger. Nos jolis murs invisibles sont sympas, non? Alors, je me suis trompé, il m'en reste deux plus Koga. D'accord. Dompteur veut se battre. Dompteur fait appel à Sablero. Alors, Pokémon Sol contre Sol, bof, c'est pas terrible. On va essayer un coup de corne. Hein. On peut essayer. Maintenant que le Pokémon est lancé, autant tenter quelque chose. Ouais, c'est bof. Ça va pas le faire. Alors, on va envoyer Ortide. Allez. Et je viens de me faire empoisonner. C'est magnifique. Alors, Ortide peut pas se faire empoisonner. Donc, on va en profiter pour faire un total soin à Rhinocorne. Voilà, soigné. Et on va se débarrasser de lui avec la méga sensu. Alors tranche c'est... Ouais c'est ça. Tranche. Tranche ça fait mal. Ça fait mal et ça fait souvent des coups critiques. Et là apparemment je rate mes attaques. C'est pas cool. Oh c'était pas loin. Alors ça m'a pas tout remis. Là il me fait un tranche et je suis foutu. On se met une limonade? Ouais. Ouais on se fait une limonade. Allez. Non. Et voilà, je me suis trompé. Ça va, je suis encore en vie. Je voulais faire sur Ortide. Il peut pas m'empoisonner. Je suis type poison, donc je risque rien. Arbok, bon ben voilà, il repasse au type poison, donc on va rappeler Rhinocorne qui est en pleine forme. Et on envoie séisme. C'est parfait. Voilà. Waouh, tout mort. Ah, mais t'es le même, toi. Oui, t'es le même, je t'ai affronté de l'autre côté. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, on est à Koga. C'est parti, les amis. Wahahaha. Un nain ose me défier. Moi, le grand, le beau, le terrible Koga. Par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner. Puisse la poigne de mes poisons pétrifier de peur la paix et tes petits Pokémon. Waouh. Où t'as été chercher ça, toi? Koga veut se battre, 4 Pokémon. Alors, Smogo. Bon, s'il m'appelle des Pokémon poison, ça va être cool. Je crois qu'il a un Aeromite, toutefois. Donc Aeromite ne craindra pas séisme vu que c'est un vol. Ah, j'ai une surprise pour Aeromite, je vais me faire plaisir. Vous allez voir. Alors, hop. Gros tas de morts. Ouh, c'est du lourd ça. C'est du lourd et c'est niveau 39. À mon avis, il faut au moins 2 attaques. Et je suis empoisonné. Ça va passer en 2 attaques. Bon, écoutez, on va pas se soigner. Vu ce qu'il m'enlève, hein. C'est pas terrible ce qu'il va m'enlever.
Voilà, on va éviter de perdre un tour. Je me soignerai à la fin. Rhinocorne monte au niveau 35. Yes. Il apprend Mimique. Non, mais c'est une blague. C'est une blague, sérieux. Pourquoi ils apprennent des attaques comme ça à des niveaux aussi élevés? Mais n'importe quoi. Mais qui c'est qui voudrait apprendre Mimique à ce stade de l'aventure, sérieux? Smogo. Et je dirais qu'il termine avec Aeromite. Quoique, Mimitos... Non, c'est l'évolution de... Ouais, ouais, c'est ça, c'est Aeromite. C'est l'évolution de Mimitos. Et on ne l'a jamais rencontré, Aeromite, encore. Il me semble. Ah non, pas du tout. Je suis déçu. Oh, la déception. Oh, la déception. Parce que dans l'animé, il a un Aeromite. Ah, je suis déçu. Oh, ben non, Smogogo, c'est... Voilà, niveau 43 quand même, mais on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Alors, est-ce qu'il peut s'auto-détruire? Peut-être. On va passer en deux attaques, ça. Ouais. Destruction, regardez. Il le fait. Et je résiste. Et je résiste. Parfait. C'est pas très efficace. Génial. Tu m'as un peu déçu. Tu as prouvé ta valeur. Ouvre ta mimine, car voici le badge âme. L'OSH gagne 4257 Pokédollars. Ouais, t'as pas d'aéromite. Écoutez, bientôt on fera la version argent et on reviendra affronter Koga. Et je suis prêt à parier qu'il aura un aéromite. Je vais pas aller voir sur internet, hein. On attendra d'ici là. Mais, je sais pas, ça m'étonne quand même qu'il l'ait pas. Le badge âme fera monter la défense de tes Pokémon et il te permettra aussi d'utiliser Surf. Attends, prends aussi ceci. De la même manière qu'il y a les remakes Rouge Feu que je ferai un jour, est-ce que les équipes sont peut-être un peu différentes? Ouais, ah oui, je suis empoisonné, c'est vrai. Bon, je pourrais attendre le sang de Pokémon, mais j'aime pas les voir souffrir. Voilà, je te soigne de suite. Bon, bah on a appris toxique, une attaque qui empoisonne à coup sûr. Sérieusement, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Ça peut, ouais, admettons, je vais affronter un légendaire. Non, en fait, le problème, c'est que ça va l'affaiblir, l'affaiblir, l'affaiblir. Et les légendaires, il faut plusieurs balles pour les capturer. Donc au final, ça va le mettre KO. Non, 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 non. Bon, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on... Je vais pas la prendre, non, je vais pas la prendre. Je pense qu'on va aller le revendre. On va visiter un petit peu la ville. Oui, alors qu'est-ce que je voulais? Je voulais me faire plaisir sur Aeromite. Je voulais utiliser Laser Glace avec Tortank. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Pika, Ortide, on fait quoi? Ortide, allez, Ortide en premier. De toute façon, on n'est pas prêt de faire des combats, je pense. On vous a parlé à vous? Ouais, 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 ouais. Alors, ici, j'ai parlé à tout le monde. La maison d'à côté, on avait fait aussi. L'arène, on a fait. Donc, regardez. Voilà. On voit le cinquième badge, donc c'est bien le cinquième badge, le badge âme, donc c'est un cœur très joli que je viens d'avoir. Et le sixième, c'est Morgane, donc on va bientôt aller à Safrania, c'est notre prochaine destination. Mais comme je vous ai dit, d'abord je veux me faire tous les Pokémon, capturer tous les Pokémon du parc Safari. Oh putain. Alors, pourquoi y a coupe ici? Non, Loclas, le roi des mers. Oui, alors Loclas, on va bientôt pouvoir en avoir un. Justement, justement, à Safrania. Le paradis des Pokémon Park Safari. Donc, c'est là l'entrée, d'accord. Armani, Rose comme la passion. Là. Ah oui, il y a des maisons ici, on va les visiter. Maison du gardien. Photos et fossiles de Pokémon. Oh,
un joli trésor ici. Sans force, ça bougera pas. Alors, je sais pas si je peux utiliser force au stade où j'en suis. Je pense. Hif, huf, et fifou. Af, of, af, fif, of, af, af, f, if, oui. Oui, non. On va lui dire oui pour lui faire plaisir. Ah, hé, ho, ho, f, af, fif, ho. Ouais. Ok, si je te dis non, tu vas le prendre comment? Ok. Bon, je sais ce qu'il a, le mec. Il a perdu son dentier. Il faut retrouver ses dents dans le parc safari. Et je pense qu'il me donnera force qui me permettra de déplacer ce rocher. Je crois que c'est ça. À côté, on a quoi? Une poubelle bien dégueulasse. Non? Ah non, ça c'est dans l'océan, ils disent ça. Je suis le grand frère du maître pêcheur. Moi, mon truc, c'est la pêche. T'aimes la pêche, petit? Oui, cool, t'as l'air. Bien, petit gars, prends ça, que la grande pêche soit avec toi, petit. Super canne. Ah, ouais, d'accord. Une super canne. Alors, regardez, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse dans le sens où je vous disais, nous sommes à... ici, à Céladopol. Voilà, ici. Et je vous disais, est-ce qu'on part par la gauche, on descend la piste cyclable, on va à Parmanie, ou on fait comme on a fait de l'avant-ville, vous avez vu, on est descendu par le sud. Eh ben, voilà, il fallait bien passer par la piste cyclable et arriver d'abord à Parmanie, car on a la super canne. Par la suite, on aurait pris cette route 15, 14, 13, 12, voilà, pour remonter jusqu'à l'avant-ville, et là, on rencontre le mec qui nous donne la méga canne, voilà, c'est dans l'ordre. Ça aurait été dans cet ordre, mais voilà, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Dans le parc safari qu'on va faire dans le prochain épisode, il faut que je regarde quelle canne je vais prendre. Parce qu'il y a mini draco. Ah, et t'as peut-être des Pokémon ici, toi. Bon, tu m'as donné ta super canne, je vais la tester. On va la tester, allez, c'est parti. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut avoir si jamais on a quelque chose qu'on n'a pas, même pas une touche. Oh, ça mord. Aïe. Ah, dilemme. Dilemme, je sais plus si je l'ai ou pas. Fuite. Eh merde. Désolé, je ne me rappelle plus. Poissirène. Est-ce que j'avais Poissirène? Il est où? Je l'avais. Donc c'est bon, j'ai bien fait. Bon. Finalement, je vais pas m'attarder, je vais regarder quand même s'il n'y a pas un objet caché. Plutôt que de perdre du temps bêtement, j'irai voir sur internet vite fait ce qu'il y a au parc safari qui me manque. Qu'est-ce qui me manque comme Pokémon? Ça m'évite de vous faire perdre du temps. Ok, on va se prendre la bicyclette un peu, même si je risque de rentrer dans des maisons. Là, il n'y a rien. Là, c'est la sortie. Ah! Ah ah ah, on a un multi-ex à récupérer ici. Il me semble. Mais oui. Salut, tu te rappelles, je suis l'assistant du professeur. Si tu attrapes 50 Pokémon, je suis censé t'offrir un multi-ex. Alors, as-tu attrapé? Oui. Super, tu as 50 Pokémon différents, félicitations. Voici ta récompense. Multi-ex distribue l'expérience à tous tes Pokémon, même à ceux qui n'ont pas combattu. Et cela réduit l'expérience de chaque Pokémon. Si tu n'en as pas besoin, laisse-le dans ton PC. Voilà comment il marche dans ce jeu. Donc là, il est activé, vu que je l'ai. Donc tous les Pokémon vont gagner un peu d'expérience. Mais je pense que le premier Pokémon va gagner un peu plus que les autres, il me semble. On verra ça au prochain combat. On verra bien comment ça se passe. On va le garder pour l'instant. Si vraiment ça m'handicape, je l'enlèverai. Je pense le garder. Allez, on finit de visiter. Il y a un zoo devant l'entrée du parc safari. Le jeu du safari permet d'attraper des Pokémon. Là-bas, j'ai fait. On va monter, on peut passer là. C'est vraiment l'entrée? Non, c'est pas l'entrée du parc, ça. C'est pas l'entrée du parc. Ramolos, il connaît beaucoup en Pokémon. Il a même des fossiles de Pokémon rares et anciens. Ramolos? Nous avons surnommé le gardien Ramolos. Bah oui, il ressemble à Ramolos. Ouais.
m'a parlé, mais je comprends rien à ce qu'il me dit, je crois qu'il y a un problème pour parler. J'ai un doute si on n'a pas déjà fait cette maison dans un épisode précédent. Ouais, j'ai un doute. Nico, mais où est Julia? Elle est tout le temps à la bourre. Non, Ramolos, sympa mais mégalant. Pokémon crétin. Trop sympa. Ensuite, Mélophée? Non, le Vénard. Ah, il faut un bol d'enfer pour en capturer un. Et oui, le Vénard qu'on va trouver au parc Safari. Alors, toi, tu ressembles à un Voltorb. Es-tu un Voltorb? Cette balle est vraiment un Pokémon? Bah ouais. Voltorb. Portrait craché d'une Pokéball. On en verra à la centrale. Vivant dans les centrales, ce Pokémon survolté est souvent confondu avec une Pokéball. Ouais. Mais... Alors attends, Voltorb. Pourquoi j'ai eu le résumé? Je l'ai, Voltorb? Non. Bah si, je l'ai s'il y a le résumé. Je l'ai. Ah, j'en avais trouvé. D'accord. Je m'en rappelle pas. Ok. Connais-tu le jeu du safari? Certains Pokémon n'apparaissent qu'à cet endroit. On a la boutique. Tu connais la vitesse plus? Elle augmente la vitesse de ton Pokémon pendant un combat. As-tu une affiche du parc safari et des cartes et des almanachs? Toi, t'es un collectionneur. Les Super Balls, on va finir dépasser. Hyper Potion, pas besoin. On a des limonades 19 pour l'instant, c'est bon. Deux cordes sorties, ça va, 7 rappels, c'est parfait. Total soin, on est bon. Hyper Ball, 19. On va utiliser des Safari Balls hein, au parc Safari. Donc 19 balles. Ah, on aura le Pokémon légendaire plus tard. Il faudra beaucoup d'Hyper Balls. Ouais. Alors, on peut en prendre. PP+, super bonbon, max elixir, et j'ai 2, 3, 4, oh là 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 là, va falloir aller stocker, Ortide, je vais t'apprendre super bonbon, te le donner, on va attendre un peu, on va trouver des objets dans le parc safari, j'ai peur de pas pouvoir les prendre, ouais, début de l'épisode prochain, écoutez, je vous retrouverai avec l'inventaire refait, on va dire. On va t'en prendre, ça va servir tout au long de l'aventure. Ouais, je t'en prends 30, allez. Ça coûte cher, c'est parfait. Là, j'en manquerai plus jusqu'à la fin du jeu, normalement. Ou pas, non, peut-être pas jusqu'à la fin du jeu, mais j'en ai pour un bon moment. J'ai un bon stock. Kabuto, un Pokémon créé à partir d'un fossile. Oh, t'es beau. Ok, attends, on va passer par là. Kangourex? Ouais. Ce Pokémon élève son petit dans sa poche ventrale. Donc voilà, comme je ne l'ai pas, il n'y a pas le résumé. Et là, on est à l'entrée du parc. Jeu du safari, chope les tous. Ah, c'est plus attraper les tous? Ok. Les amis, on va se laisser là. Voilà, on est à 20 minutes. Donc on se laisse là, et la prochaine fois, on se fait le parc safari. Oui, ça, tu me l'as déjà dit. Tu m'as bien fait rire, toi. Voilà, sauver, sauvegarder. Alors écoutez, je vais pas attaquer direct le parc, moi je vais aller faire de la place dans mon PC déjà, avoir une boîte PC vide, et faire de la place dans mes objets. Et la prochaine fois, on s'attaque au parc Safari pour se choper un maximum de Pokémon. Tous ceux que je n'ai pas au parc Safari, on va les attraper. Voilà, merci les amis, n'hésitez pas à liker l'épisode si ça vous a plu, à commenter, et n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment pour ne pas manquer les futures vidéos. Et voilà, n'oubliez pas de liker la page Facebook où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne, c'est important. Merci pour votre fidélité et votre présence, c'est toujours un bonheur de vous accueillir sur ces vidéos tous les jours. A très vite, c'était l'OSH, ciao tout le monde, prenez soin de vous.